C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour fêter le travail accompli par Studio Yaffa, ses équipes et ses partenaires depuis bientôt 5 ans. Un travail qui répond à un besoin de première nécessité pour tous les habitants et habitantes du Burkina Faso. Car une information fiable, factuelle, utile, non partisane, c'est un bien de première nécessité. L'accès à ces informations permet en effet de mieux comprendre ce qu'il se passe autour de soi, de se prendre en main et d'être davantage en mesure de trouver des solutions face aux problèmes auxquels on est confronté au quotidien. L'accès à cette information, c'est aussi un droit universel, rappelé à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce droit est d'autant plus précieux quand on est confronté à des défis quotidiens et à des crises globales, régionales et locales qui impactent des millions de personnes. C'est pour répondre à ce besoin d'information que les journalistes et les médias ont un rôle crucial à jouer, notamment au niveau local, au plus près de celles et ceux qui sont souvent les premières victimes des crises et parfois malgré tout les plus oubliés de ces crises. Les médias locaux, avec le lien de proximité et de confiance qui les lie à leur public, peuvent faire entendre la voix de ce public, la voix de chacune et chacun, et peuvent aussi contribuer à recréer les fils du dialogue, à contribuer à réunir toutes les composantes de la société au lieu de diviser. Studio Yaffa et ses partenaires s'inscrivent ainsi aujourd'hui dans un réseau de plus de 180 radios et télévisions partenaires de la Fondation Hirondelle au Sahel. Ce réseau est unique, local, national et régional à la fois, au service des populations des trois pays. Ce travail ne serait pas possible sans la relation de confiance qui nous unit à nos partenaires locaux, les radios en particulier, les associations de médias, les organisations du secteur médiatique et nos partenaires techniques et financiers, en particulier ici la Suisse, la Suède et l'Union européenne. À toutes et tous, je tiens donc à vous dire un grand et chaleureux merci. Comme on dit, on est ensemble, dans la confiance et dans l'écoute, malgré les difficultés. Et nous allons continuer à développer nos partenariats au service de l'information et du dialogue pour toutes et tous au Burkina Faso. Merci, et comme Studio Yaffa est notre projet partagé, bon anniversaire à nous toutes et tous.